nous avons une mission à accomplir. Dans un monde peuplé uniquement de sprinters, 6 mois après que tout ait basculé, le célèbre athlète français Christophe Lemaître va devoir dompter l'apocalypse et réaliser l'exploit suivant. Créer une base de zinzin en plein cœur de Muldrow. Pour cela, il faudra mettre la main sur un groupe électrogène, sur le guide permettant de le faire fonctionner et sur de nombreux matériaux pour sécuriser la zone. La zone en question sera la suivante, le US Turret de Muldrow, un endroit entouré de grilles infranchissables par les sprinters et détenant de nombreuses surprises dans les garages. Bon visionnage! Eh bien le bonjour tout le monde, 5e épisode d'affilée, oui, le 18e jour de survie se profile face à nous. Christophe Lemaître, soigné de sa blessure à la main droite. Le gant est toujours défoncé, le bandage est toujours en place. Non, le bandage n'est pas en place. Alors sa main a vraiment pris cher, on ne voit plus que les os du coup. Donc ça va quand même. Il peut castagner, il peut faire ce qu'il faut. Et nous, aujourd'hui, on va colmater les deux derniers murs de cette résidence. C'est tout. On a que ça à faire, on y va, c'est parti, Christophe, let's go. Et on va se méfier parce que... Ah oui, mais en plus, il y a le piège là, attention. J'ai failli l'oublier ce piège. Hein. Attention, attention. Il y a du Z en pagaille. Hein. Ils reviennent en force. Ils sont pas allés jusque là, manifestement. Mais ils sont revenus foutre la merde. Oh, t'es pas vrai, toi. Oh, d'un coup. Bah oui, hein. À la hache, ça fait mal, hein. Mais il faut pas qu'on l'abîme, hein. Par contre. On n'est pas censé l'utiliser sur les Z. On a un katana pour ça. Oh, les racailles, ils m'ont tout pété! Mais regardez-moi ça, sans déconner. Oh, il y en a un juste là, par contre, je l'avais pas vu. Il y en a deux dans la maison. Oh, il y en a un là-bas. J'ai le rocher. Hop là! Et faire ça un sprinter, faut se lever de bonheur. Hein. Oh non, sors de là. Hop là! C'est bien. Je vais pas reconstruire ici, hein. Je préviens tout de suite. T'es sérieux? Heureusement qu'il est tombé, le cousin. Je vais pas reconstruire parce que, justement, j'irai construire plus loin. Oh purée, il y en a beaucoup, hein. Forcément. Allez, il faut que je retourne sur la zone sur laquelle j'ai le plus de contrôle. C'est en dessous maintenant. Enfin, je vais voir en y retournant. Autant je peux avoir une très mauvaise surprise.
Putain, j'ai cru qu'il m'avait pété la palissade quand j'ai vu la bûche par terre. J'étais à deux doigts de m'énerver. C'est vrai qu'il aurait fait du bien dans la partie quand même, le grand sac à dos. Hein. Ah! Oh là 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 là. Ce sera pas pour aujourd'hui. J'ai l'impression. Je me suis peut-être un peu trop avancé. Oh putain, mais va pas là-bas, toi, t'es un ouf! Attends, mais comment je fais pour te bloquer, moi, si tu vas à l'autre bout de la map? Voilà, normalement, il m'a entendu. Putain, il m'a même pas entendu, je suis dégoûté. Ok, donc il y a un Z là-bas, génial. Super. Un sprinter dans mon dos, merci. J'en prends deux d'un coup là, je suis dégoûté. Juste salopette, s'il vous plaît. Non! Pourquoi il y a le policier? Mais cours! Oh non, les touches elles marchent pas. La touche pour sprinter elle marche pas. Je vous jure que ça marche pas. Mais. Ah, c'est bon, ça marche. Ok. Ça va à la porte. Il y a un Z qui est là à la porte. Je vous jure, il y a un Z qui a pris la porte. Ils vont la péter la porte, c'est foutu. Mais l'idée c'est qu'une fois qu'il la pète, bah, il passe par la fenêtre. Et pour ça je dois me rendre visible. Je suis là.
Allez hop. Abusé quand même. Franchement abusé. Non mais c'est pas vrai. C'est une blague. Les deux passés par les fenêtres. Il m'a fait bugger. Vous avez vu, il m'a bloqué dans la fenêtre, ce con. Mais non! Faites pas des trucs comme ça, bande de tricheurs. Tricheurs de sprinter. Putain. Il y en a plein, là. Vas-y, on va l'aggro. Oh bordel. Je pense qu'il y en a d'autres, en plus. J'ai soif. Il a pas vu entièrement, là. Non. Hop. C'est pas simple, hein. Il est midi 20, moi qui pensais que j'avais juste à construire mes petits murs, là. Mes petites palissades. Tranquillement. J'ai l'air malin, maintenant. On se rappelle, hein, il y avait un papy Z d'ici là. C'est bon, je prends le katana. Et maintenant, on va voir qui est qui. On va devoir cataner. Oh! Ça a couru là-bas ou c'est dans ma tête? Faut que je trouve le papy Z.
Je vois pas. Je sais pas, putain. C'est dur hein, quand même, hein. Oh. Allez, ça commence à faire des rotations par... De côté là, c'est pas bon, hein. Oh, je suis sorti. Oh, ça va les vénères, ça. Oh, purée, il aurait pu y avoir une masse. Oh là là. Attends, en vrai de vrai, je vais aller foutre la merde là-bas. Hein. Faites les ouf avec moi là. Moi je sors, hein, j'ai pas peur. Hein. Oh putain. C'est pas prévu ça. Est-ce que c'est pertinent de rester dans le coin? J'ai envie de partir, moi. Oh, le taxi. Oh. Attendez. Voilà, j'ai fait pause. Regardez sur le capot du taxi. C'est quoi, ça? Hein? C'est quoi? C'est les clés. Est-ce que c'est les clés du taxi? Il y a moyen que ce soit même pas les clés du taxi, mais que ce soit les clés de la camionnette à côté. Allez, j'enlève la pause parce que c'est un peu de la triche. C'est notre point de départ, ça, hein. En vrai, plutôt que de construire la palissade, bah, je devrais passer plusieurs jours, en fait, à dégommer les aides qui sont ici. Mais il faut quand même construire la palissade pour pas qu'il y ait du respawn. Le sang de ses morts. Sérieux? Et son bonnet de bain là? Elle m'a fait archi flipper. Et ça après c'est l'autre entrée, et oui. C'est ces deux endroits que je dois fermer. Prends le magasin, ça squatte hein. Parce que regardez, je peux faire ça hein. Je peux les prendre avec moi. Après elle est loin. Les amener sur la clôture. Je le voyais pas. Je l'ai entendu, mais je le voyais pas. Ça va. Parce que là, ça va très vite me taper dans le cardio. Hein. À faire ça. Mais c'est peut-être le moyen le plus efficace pour récupérer la zone. Hein. Oh, c'est full de foule. Mais attends, mais... Eux ils sont relous. Les aides qui longent la palissade en courant là. Parce que eux à tout moment ils débarquent, mais pour rien. À la base ils te rushent même pas ces zombies. En fait ils longent la palissade et au bout d'un moment bah ils...
Il te tombe dessus et après il t'a gros quoi. C'est pour ça qu'elle est venue tout à l'heure, bonnet de bain. Qu'a failli m'avoir là. Passe-moi ça vite fait. J'ai eu peur. Je me suis dit ça va me faire comme tout à l'heure. Faut que je mange. Trop de trucs. Il y a une pelle dans le sac de transport. Une nouvelle paire de gants. En vrai. C'est pas déconnant d'avoir un nouveau sac. Je vais aller regarder le taxi. Je suis à 11,5 sur 10. Ouais, trop fin. Propre ça hein. Ça a été sûr, c'est les clés du van. C'était sûr et certain. Après on n'est pas à l'abri qu'il y ait les clés du taxi non loin hein. J'ai loupé. Bah en vrai, c'est ça qu'il faut que je fasse. Si je veux vraiment contrôler cette zone. Il faut que j'aille au charbon à l'extérieur. Ça squatte hein. Ah c'est dangereux là par contre. En gardant ça sous moi. Oh là-bas, c'est dangereux de ouf. Vraiment. Là-bas, là. Avec tous les arbres, toutes les maisons, là. Oh là 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 là. Un calvaire. Bon, bah, écoutez. J'ai envie de dire qu'on arrive sur un nouvel arc de l'aventure. La construction, je pense pas que ce soit pour tout de suite. Hein. Je vais regarder ce qu'il y a là-bas. En vrai, c'est tranquille, hein, ce secteur. Hein. En fin de compte. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de clôtures autour de moi.
que je suis pas trop en danger. Ah, ça change de la résidence, quoi. De toute façon, c'est notre unique manière de progresser jusqu'à... Jusqu'au You Restore It. Il faudra serpenter dans les résidences comme ça, utiliser les clôtures. Et il n'y a pas d'autre solution. On peut pas débarquer en voiture et rentrer dans le You Restore It. Ça marchera pas. C'est beaucoup plus petit que la résidence. Et puis la résidence, ça a marché parce que j'avais fait le nettoyage quelques jours avant. Sinon, ça marche. Ça, c'est pas un truc qui est censé marcher comme ça. C'est vraiment dommage que je n'ai pas à manger sur moi. Après, il y a la supérette juste là, là. C'est tentant, hein. Quand même, hein. Parce que regardez, imaginez le jour où ça s'est cloisonné et là-bas aussi. Alors, en plus de pouvoir circuler librement dans la résidence, on pourra se balader librement ici. Sans regarder en bas, vous voyez, parce que là on est obligé. Ça regarde pas, Bobo. Cet arbre aussi, il faudra que je le coupe. Il est chiant. Bah, j'étais greedy quand même de rester là. Là, je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai eu de la chance de pas être blessé d'ailleurs. D'où mon absence de réaction. C'est complètement de ma faute. J'ai sous-estimé le range du zombie, quoi. Et s'il y a bien un truc qu'il ne faut jamais sous-estimer, c'est le range des zombies. Bonjour. Je peux venir prendre un truc à manger? Vous êtes ouvert? J'ai du RP un petit peu. Vous êtes ouvert, les gars? Are you friendly? Friendly, my friend. Non, pas l'air, hein. Ah, la clôture, elle serait là, là. Oh là là, c'est génial. Je l'ai perdu, lui. Je sais pas où il était. Je pensais qu'il était en dessous. Que nenni. J'ai grand faim, monseigneur. Donnez-moi bonne pitance. Eh, c'est un coup à ce que je rentre en courant. Je vois pas. Ah, mais il court vachement vite, lui. Eh, il est next level, celui-là. Ouais. Oh merde, j'ai été repéré, je crois. Laisse-moi manger mon cornet de bif. Miam, miam, miam. Ça va beaucoup mieux. Une petite soupe. Glou glou glou. Ça va aller encore mieux que... Il y en a un à gauche, un à droite. Je me suis coupé.
À gauche, à droite. Petite conserve de pêche, petit dessert. On aime bien manger, quoi. Le centre, c'est mort. Je suis en courant. Une agro a été prise. Il est vénère, hein. Il piquait sa bouffe. Allez, merci bien. Eh, j'ai carrément envie de continuer là, mais je vais me calmer, hein. Mais j'ai envie de continuer, quoi. J'ai le temps, mais j'ai trop envie. J'ai trop envie parce que c'est un moment clé, là. Bah, allez, on fait un épisode de plus. On fait un épisode de plus. Y'a pas le choix. Y'a pas le choix, il faut faire un épisode de plus, là. Par contre, pour faire un épisode de plus, il faut que je sache où est ma hache. Sinon ça marche pas. On va clôturer là les deux endroits. Je le sens. Ah bah elle est là. On se lève tôt là demain matin et boum, ça part au... On part au charbon quoi. On fait le premier, on fait le deuxième. Dans la même journée, j'y crois. Et je pèterai la palissade ici pour créer un lien entre les deux résidences. Ah non, je suis con, j'ai juste à sauter par-dessus. Non, je pèterai rien alors. Parce que le problème, c'est que si tu pètes, après, t'as beau mettre tout ce que tu veux, porte, fenêtre, machin. Bah les zombies, après, ils pourront switcher d'une zone à l'autre. Et si jamais ils prennent d'assaut la résidence et qu'ils gagnent la bataille de la résidence, après, bah, je pourrais plus... réussir à endiguer. Il faudra que je reconstruise. Oh là, c'est une galère. Autant ne pas toucher à la palissade. Alors, je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Mais moi, je me comprends. C'est l'essentiel. C'est le plus important. On va aller ici pour dormir. Ai-je une lampe sur moi? Pas du tout. J'ai pris la seule maison où il n'y avait pas de porte dans les chambres. J'ai jamais looté ça, je crois. Hein. Pantalon de survette. Dommage que le pantalon de survette, il permette pas d'améliorer les stats de course. Comme les chaussures. Un petit bonus. Il y a une cache là, regardez. Ah, je peux la looter d'ici, la cache. Regardez, elle est sous l'escalier. Je vais prendre de la thune ou des cigarettes. Un nouveau petit marteau. Il y a un sandwich dans le cartable. Sandwich au fromage pourri. Mais ouais, j'ai jamais looté ici. Encore un ouvre-boîte. Torchon, aluminium, torchon, casserole. Je pense que ça me fait chier qu'il n'y ait pas de porte. J'ai peur d'aller ici. Attendez, je vais pas aller ici. Et là, il y a toujours Papy Z, hein. Papy Z, on l'a toujours pas trouvé. Je l'ai peut-être tué sans le savoir.
Voilà, là on a un bureau pour dormir si on veut. Voilà, elle est parfaite cette petite chambre. Là on est bien comme tout. Allez, ça part sur un petit somnifère des familles. Tac tac tac. Vous aide à dormir, c'est vrai. C'est vrai que ça marche plutôt bien. Ça fait son effet. En attendant, tac tac tac, je fais ça et c'est fait. Et puis je vais potentiellement boire un petit coup d'eau, hein. À travers mon masque et ma barbe dégueulasse. Hop, boum boum boum, je suis fatigué. Je peux dormir en paix. Bonne nuit Christophe. Ok, hop. Ouais, je vais me faire un épisode de plus. Ok, il est 7h. Il est 7h dans cette aventure. 7h du mat. On vient de terminer ce 18e jour de survie. Avec notre cher Christophe Lemaître. Donc 661 zombies tués. Attention, ça rigole plus. Une dégaine de fou furieux. On n'a jamais vu ça. Tac tac tac, quoi d'autre? L'entretien bientôt niveau 2. Ouais, c'est cool. Et là aujourd'hui, demain, on va fight et on va build. On va terminer cette foutue palissade. On aura fait les trois entrées sorties. Et en partant du principe que celle du sud n'a pas été détruite. Bien sûr. Il faut rester positif. Du coup, on va faire ça comme ça. Moi, je compte sur vous pour laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, je vous dis à dans 4 jours. Ou à de suite pour les membres de la chaîne. Oui. Allez, c'était Spiflo. Fin de communication. Le pouce bleu. Mets un pouce bleu si t'es aussi beau que sera ton laveur cosmonaute de l'espace.